Salut à tous, on est vendredi matin, on part pour Tuschental. Donc voilà, on a pris la route hier soir, on a dormi sur Bordeaux. Et voilà, là on a l'avion, on a 2 heures d'avion, on atterrit à Berlin. Ensuite, on a 2 heures de route pour arriver à Tuschental et aller voir la piste aujourd'hui et avant les courses demain et après-demain. Petite salade de sportif. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, on est dans l'avion. Alors, première bonne nouvelle, l'avion est à l'heure. Donc on va être dans les temps et c'est parti pour 2h30 de vol. On est en train de se faire des petits matskins là et à chaque fois je le torche. Chaque fois je le bats. Il essaye, mais à chaque fois je le bats et à la fin. C'est ça, à la fin. Après une demi-heure, il m'a enfin battu. Ah, il est fier comme un coq. Voilà, ouais. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que je vais m'y remettre. Bon, t'es prêt à parler allemand, Mathis? On va se débrouiller en anglais. C'est ça, on récupère la voiture s'il nous arrive pas dans merde et voilà. C'est toi qui conduis d'ailleurs. Ouais, il est trop fatigué, faut qu'il fasse une sieste. Donc. Ford Fiesta, yes. Yeah, alright. Okay. For me too. Alright, down this one, and I will now tell you where you need to go to. Okay, so this is for bring back, huh? Yeah, for bring back. Okay. Bon, la petite Jacqueline là, vient nous donner les clés. Donc apparemment la voiture elle a rien. Sauf que je sais pas quand est-ce que comment on va la récupérer la voiture, hein, la petite Jacqueline. Mais, on va essayer de faire attention. Allez go, c'est parti. On avait comme objectif de prendre la voiture avant 15h. On vient de partir 14h57. On va dire que là le voyage il est plutôt fluide. Les motos à Mathis pour demain sont en route. Et puis, tu vois, l'Allemagne c'est ça qui me plaît. Pas de limitation de vitesse, on met un peu de gaz, les points ils restent là. Allez hop, ça y est, welcome office, il est fait, on vient de récupérer ce qu'il faut, maintenant on va rejoindre le mécanicien et le papa de Mathis au circuit, et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne. On est sur la piste ici et bah, la piste chaque année ici elle change. Là d'ailleurs on est sur une partie qui a complètement changé, qui est un peu moins technique que l'année dernière. Voilà donc un peu sec hein, pour un vendredi par contre, mais je pense qu'ils vont mettre pas mal d'eau pour demain et ça roule de bonheur d'ailleurs parce que premier essai à 7h30 pour Mathis. Encore une nouveauté sur la piste cette année. Un petit appel un peu raide. Ça fait une table avec une petite poste derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est du coup. T'as vu à la télé, on dirait pas que c'est si gros. Ah ouais, même les cuvettes et tout, à la télé ça aplatit vachement parce que là ça fait des grosses cuvettes. C'est ça les GP. La vue, je vous donne rendez-vous demain matin à 7h30 pour les essais libres. Allez, il est 18h30, c'est plutôt bien passé aujourd'hui, une journée sans encombre, c'est bien rare d'ailleurs. Donc voilà, là on va aller à l'hôtel et puis demain matin, rendez-vous de bonne heure pour le premier essai 125 AMX pour Mathis.
midi. Écoutez, on a fait un bon gros dodo. Et puis voilà, on va direction la piste. Mathis y roule dans un peu plus d'une heure pour la première séance d'essai. Ensuite, il enchaînera avec la séance chrono et une première manche cet après-midi. Tournez à droite sur Friedrichshainse-Straße. Bon, Lilian, petit rituel. Ouais, bon, on s'en va en retard aujourd'hui. Ah bon? Ouais, mais on sera. J'avais vu qu'ils m'ont déjà doublé dans les parcs. Quoi. Oula, oh, faut pas que tu traînes, non? Je veux des coudes, ça chie. On est chaud, on a été voir la piste, ils ont bien arrosé, ça va faire des grosses rails, ça va être technique, donc ça annonce un bon week-end. Allez, c'est la fin du premier essai et le premier essai il a pas très très bien commencé puisqu'il a eu un problème avec la fourche, donc il a changé de moto et finalement il a pris l'autre moto, il s'est senti vite à l'aise sur la piste, il a fait les gros sauts, alors surtout un gros saut où ils sont pas beaucoup à le faire et il s'est lancé, donc ça c'est une très bonne chose pour la journée. Et puis voilà, il est bien sur ses jambes, il est techniquement c'est fluide et c'est important ici en tout cas à Tocental, donc voilà, ça s'annonce plutôt positif pour la suite du week-end. Un peu d'agressivité dans les virages où donc, ça vient là où il est poil avant le pain de sucre d'arriver. Oh là ouais. Là, c'est que de la boue après et un rail après les pitaines, non, ligne droite de départ et un rail que ah, un ouais. Ça va être le chantier après le départ hein, s'il réglait les sympas. Ah ouais, les pains de sucre, si tu peux essayer d'arriver plus vite et plus casser quoi. Ouais. Là où... mais pour moi, contrairement plus du premier essai. Tu vois, les sensations sont bonnes, t'as fait des sauts. Il y a des grandes tapes, j'ai vu. Il n'y a pas quand tu sautes, il y a une espèce de trip. Il y a des bons sauts. Oh oui, d'accord, le garde-boue. Ouais, ouais. Les essais libres sont finis. Les sensations sont plutôt bonnes. On fait le troisième temps, donc ça allait. Il y a eu un petit problème avec la moto. La fourche avant l'a cassé. Sinon, c'est pas mal. La piste, des gros trous, des grosses ornières. Beaucoup d'angles dans les virages, des gros sauts. Et... on va voir ce que ça donne aux essais chrono. Il y a le petit Lucas qui est venu nous faire une petite visite. Ça va Lucas? Ouais. T'es motivé pour aujourd'hui? Ouais. Bon, tu vas nous faire rêver. Hein. Et tu fais attention, tu restes sur tes roues. On était parti voir les MX2, la piste elle évolue pas mal, honnêtement, ça change beaucoup, donc
Donc voilà, va falloir être assez malin, regarder un petit peu les traces les plus efficaces. Et puis voilà, dans 30 minutes, c'est parti pour les pronos. Ça, c'est les chronos, on est ready. Les chronos sont terminés, voilà, c'est 8e temps final pour Matisse, donc j'aurais aimé mieux parce que on va dire que pour le départ c'est très important quand même d'être bien placé ici à Tocental. Maintenant il va rentrer 15 sur la grille, c'est pas non plus dramatique, il va falloir quand même sortir fort de la grille de départ pour espérer faire un bon départ dans les 5 ou 10. Donc voilà, c'est pas la meilleure option, mais il y a pire aussi, donc on relativise et on va essayer de rouler mieux pour la séance, la première manche. Ton roulage, c'est ce que je disais, je trouvais, tu finissais pas tes virages quoi. Tu vois, tu rentres dans tes virages, tu te redresses, donc du coup, bah c'est des dixièmes qui partent. Donc fallait pas plus, hein. Là tu fais 8, on va rentrer 15 ou 16. Le groupe, tu vois, le deuxième groupe, donc fallait pas plus. Hein. Fallait pas plus. C'est sûr. Là, c'est pas dramatique. Hein. Mais faut partir devant. Dans ta tête, là, essaye de dire on part devant parce que d'une, c'est difficile à doubler. Et de deux, franchement, tu sais que si tu veux faire un bon résultat, faut partir avec eux dans les pronos.